Bonsoir Mathieu. Au programme de ce soir, nous allons interpréter le 5 minutes de la symphonie espagnole. Nous serons en guise de vous la présenter. Cette symphonie espagnole a été composée par un certain Édouard Lavo, un violoniste qui a fait ses classes au conservatoire de la capitale des Flandres. Il en a été l'un des plus illustres étudiants et en son honneur, l'ensemble de symphonies du conservatoire porte encore aujourd'hui son nom. Dire qu'Édouard Lavo, c'est pas n'importe qui, c'est un pionnier dans la seconde moitié du 19e siècle qui est ceux qui imposèrent un style français dans l'orchestration, c'est-à-dire un style marqué par la vérité et la couleur. C'est en 1873 que le compositeur Louis signe son œuvre majeure, la symphonie espagnole. Ce titre, cette suite en cinq mouvements, le doit à l'utilisation insistante de mélodies espagnoles. En 1873, la France vient de perdre l'Alsace-Lorraine. Les compositeurs délaissent alors l'influence germanique pour se tourner vers des caractères et des rythmes plus exotiques. Et oui, en 1873, l'Espagne, c'est très exotique. L'immensément célèbre Carmen de Bizet, que vous connaissez sûrement, le voit le jour 2 ans plus tard, en 1875. Et indéniablement, l'Espagne est à la mode, c'est en 19e siècle, par des compositeurs français. Et en vérité, la symphonie espagnole n'est ni tout à fait une symphonie, ni tout à fait un concert. Sorte de suite intégrant le soliste à l'orchestre. Et quel soliste? En 1873, Édouard Lavo a dédié cette pièce à Pablo de Sarasate, l'un des plus grands virtuoses de l'histoire du violon qui se trouvait être en espagnol plutôt que nous. Mesdames et messieurs, je vous demande de tourner un applaudissement pour nos deux stars en soi, la violoniste soliste Sylvie Guérinet de l'Orchestre National de Lille. Cela nous permet de présenter
exercices et le déplacement de certains temps forts qui étaient une surprise. Vous l'aurez alors l'impression que parfois l'orchestre improvise. Et pour aller de surprise en surprise, un passage gelant, toujours magnifique et nostalgique, qui avait une émotion plus intime à deuxième mouvement, si vous avez joué en la première.
Ok, c'est levé de 5.
cinquième mouvement est le mouvement final de la symphonie espagnole et s'inspire de la Malaguena, qui est une danse traditionnelle originaire de Malaga. La Malaguena est très souvent chantée avec des mandolines ou des guitares. Ici, Édouard Lalonde va chercher à rendre cette expression avec la harpe qui marque les temps. Il va nous montrer. Thank you.
Thank you.